Amiens, troisième. Ça va être un gros match. On aura la chance ce soir de voir évoluer les deux meilleurs pointeurs du championnat qui sont sur Amiens là. Allez, c'est parti. Là, on voit dans le fond. Ils font bien tourner leur power play. Après beaucoup de shoots de loin, comme tu disais, pas forcément masqué, donc un peu facile pour Luis. C'est ça, ça va le mettre dedans. Là, c'est pas chaud. Ah ouais, c'est bien joué avec Patalage. C'était une observation pointue, quoi. Ouais. Blague à part, la supériorité numérique d'Anglette a vraiment été performante, bien jouée. On espère que ça va durer tout le match. Ah, ouverture du score d'Anglette. S'il faut les laisser vers les extérieurs, pas qu'ils puissent rentrer dans les zones dangereuses. Là, il y a une pénalité. Giroud, c'est le but. Voilà. Pardon. Égalisation partout, mais il y a une pénalité sur un Angloy. Et clairement, but validé, qui a été oublié. Ah, le but est magnifique. Là, Giroud, qui malgré les fautes, conserve le palais, rendu par l'ailier droit Angloy. Et là, il est venu déjouer Bertin avec un joli tir du revers croisé sur une feinte. On disait Bertin est bien serein. pas sur ce coup-là. Non, c'est une très belle action. Alors après, ça part d'une erreur des Anglois qui sortent pas bien le palais. Et puis ça compte dans deux minutes, j'ai l'impression. Mais elle est bien partie, il va vite falloir se donner de l'air là pour Anglais. Allez, ça bouge bien, ça distribue bien, on a coupé les lignes de passe. C'est récupéré par Amiens, attention, ils sont tout seuls. Oh là, ça rigole pas. Et c'est un but d'Amiens, 2-1. Alors ça va très vite. Ça va très vite. Alors, c'est pas pour rien qu'ils sont dans les meilleurs. On n'a qu'à parler ensemble. On voit la dangerosité ce soir de prendre des pénalités. Il va falloir être discipliné parce que ça marque très vite derrière. Ça repart à 5-5, Patrice. Avec Thomas de Kopp qui revient comme une bombe. C'est passé vite. Hop, hop, hop. Attention. Oh, et but. Alors, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Ok. Sortie de prison, but. Et oui, donc 3-1. Amiens qui. On s'est pas dégagé. Quand on a eu l'occasion. Tout à fait. Encore une fois, c'est la grosse ligne. Ouais. La grosse ligne aménoise. Encore. Oui, c'est pas Richardson encore ? Ah, je crois pas. Je crois que c'est un. Non, on va écouter ça. Si, c'est Richardson. Ah, c'est Richardson. Ouais. Il reste 55 secondes, encore de supériorité, de d'infériorité, pardon. Allez, attention. Oh là là. Et le but amiénois pour le 4-2. Avec un beau shoot. Beau shoot de Verrière. Oui, bien. Un bien beau shoot, bien décalé. Et c'est le 4-3, voilà. Et c'est le 4-2, pardon. C'est le 4-2. Oh, c'est donc maintenant, tes gros gabarits, il faut qu'ils soient rapides. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, attention, oh, c'est magnifique. C'est magnifique, avec une combinaison entre Sabatier et Françon. Alors que ça chauffe un peu là devant la cage, mais bon, c'est normal. On n'aura pas que de réussite quand même. Ouais. Ouais, avec une très belle passe effectivement de Sabatier, là Françon là met bien Bertin, il a beau se déplacer rapidement dans la cage, franchement tir à mi-hauteur, compliqué. Mais c'était un 2 contre 1. C'était un 2 contre 1. Bon, ben 5-2 pour Amiens. Sincèrement. Euh...
donc Anglet, bon, bah, qui va aller chercher un peu de confiance dimanche à Chamonix, alors que la fin du match se siffle sur le score final de 5 à 2. Richardson, qui a fait un excellent match aussi, qui a été dangereux sur les supériorités numériques dans le jeu, avec son trio là, avec Roman et Allais. Et ils font vraiment la différence. Et c'est Marek Pakalaj qui a été nommé joueur du match. On a plus juré en dos. Mais bon. Pour une fois, c'est un défenseur qui est récompensé,